L'anthropologie, c'est vraiment l'étude de l'être humain. Donc, très, très rapidement, c'est l'étude de l'ensemble des traits physiques ou culturels qui sont liés à l'homme. Donc, ça pourrait être, par exemple, l'archéologie, où on étudie les ossements sous le sol. Ça peut être l'étude de l'évolution de l'homme, comme la primatologie, on étudie des singes, donc des singes jusqu'à l'homme actuel. Ça pourrait être la linguistique, l'étude des langues. Puis aussi, naturellement, il y a l'ethnologie, qui est l'étude des cultures à travers le monde. En gros, ce que je pense, c'est que l'anthropologie, à quoi ça sert? C'est vraiment être capable d'aller rencontrer l'autre. C'est être capable de se dire... je parle plus de l'ethnologie. L'ethnologie, c'est vraiment être capable d'aller rencontrer l'autre, d'aller voir comment il vit, puis de partager quelque chose ensemble, puis d'essayer de rendre ça. Peu importe le médium qu'on utilise, que ce soit le livre, la monographie, ou que ce soit un film, documentaire, peu importe la façon qu'on a envie de partager ça, il y a une rencontre entre un chercheur et des participants, puis ça crée quelque chose. Il y a quelque chose d'assez unique dans cette relation-là, et on a envie de... je pense que l'ethnologie peut vraiment réussir à nous aider à comprendre le monde.